Bonsoir et bienvenue. On a tout essayé chez vous ce soir. En compagnie de Jean-Bernard Hébé, Thierry Cochin, Christine Bravo, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoine et Pierre Bénichoux. J'ai l'impression, Christine et Isabelle, que vous avez le même fournisseur. C'est un couturier espagnol, c'est quoi? C'est curieux. Regardez, vous avez les mêmes tons, les mêmes couleurs, non? C'est joli, hein? Ah, très. Essayant, en plus. Ça me rappelle mon aquarium. Non, c'est vrai, c'est magnifique. C'est du plastique. On transpire bien dedans, j'ai bien chaud. Vous, aquarium, avec deux qu'est-ce que vous regardez, Christine? Si les poissons sont encore vivants, tout est là. Jean-Luc, journée importante, hein, particulièrement là, dans quelques minutes, ce soir. Exactement, là. On va savoir enfin si ça sert à quelque chose de réservé pour l'année prochaine en Allemagne. Exact, ce sera en Allemagne, oui, la Coupe du Monde 2006. Alors regardons justement la première photo du jour, c'est l'équipe de France de football en séance d'entraînement hier encore à Tel Aviv, avant d'affronter donc ce soir Israël pour un match important dans le cadre des éliminatoires pour cette Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Et ce match, donc, il faut absolument le gagner. Pour ça, il faut marquer des buts, ce qui devient rare, on le sait, chez nos Bleus. Heureusement, pour nous rassurer, on nous dit ce matin dans la presse que Thierry Henry, rétabli, devrait pouvoir reprendre sa place au sein de l'attaque française. Notez bien que vu le nombre de buts que Thierry Henry a marqué avec les Bleus au cours des 10 derniers matchs, on se demande s'il faut prendre ça vraiment comme une bonne nouvelle. En fait, le meilleur chez les Bleus actuellement, c'est Fabien Barthez. Mais pas de bol, il parle. Et il parle pour dire des conneries. En 8 jours, il a quand même dit qu'il ne regrettait pas d'avoir craché sur un arbitre marocain. Tout ça parce qu'il dit qu'il en a entre les jambes. Ensuite, il a dit qu'il avait peur d'aller jouer en Israël. Ce qui va mal ensemble. Bah oui, parce que ça veut dire qu'il a perdu ses cougnettes pendant le voyage. Ah oui, parce que quand on dit « j'en ai dans le pantalon », ce qui est une expression très distinguée, ça veut dire qu'on a peur de rien. Peut-être qu'on devrait lui filer un McDo dans la bouche plus souvent, parce qu'au moins, il ne parlerait pas la bouche pleine. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soir, il n'ait pas un ballon qui lui passe entre les jambes. Ce sera toujours ça de gagner. Dernière fois qu'on a joué contre Israël en 93, on a perdu 3 à 2. Ouais, c'est ça. T'as révisé avant de venir. Évidemment. Parce que toi, tu te souviens qui a joué contre qui tous les ans? Pas du tout, mais je vis très proche de quelqu'un qui s'en souvient. Parle-moi du Brésil, parle-moi de l'Argentine, parle-moi de l'Allemagne. On peut aussi ne pas te parler, c'est aussi agréable. On reste dans le sport avec la victoire du Français Laurent Brochard dans la course Paris-Camembert. Parce que c'est un niveau fromage, les Français, on reste les premiers. D'ailleurs, la preuve, l'Américain Lance Armstrong est arrivé 24e de Paris-Camembert. Alors, ça se demandait comment un type qui finit 24e de Paris-Camembert arrive à terminer premier du Tour de France. Sûrement parce qu'Armstrong, il est plus habitué à la poire qu'au fromage. Qu'est-ce qu'il y a? Alors attention, le vélo, c'est son domaine. Une explication sur, puisque je connais bien le cyclisme, Armstrong ne fait que le Tour de France. Il ne fait pas les classiques, il ne fait pas Paris-Roubaix, il ne fait pas Milan-San Remo. Mais si, là, il a fait Paris-Camembert. Bon, il a fait Paris-Camembert, exceptionnellement. Lui, il fout que dalle toute l'année, sauf le Tour de France. Bien sûr, chacun sait que dans le sport, il suffit de ne pas s'entraîner pour gagner. Mais non! On passe à une photo de ce caleçon, regardez bien ce caleçon publié par le Canard Enchaîné ce matin. C'est un caleçon socialiste, hein. On voit une rose dans le fameux point, c'est le logo socialiste. Eh bien, ce caleçon a toute une histoire, puisque le PS en avait commandé 1000 pour son congrès de Grenoble dans l'année 2000. Et finalement, ça a terminé par un procès avec le fournisseur de caleçons qui a touché un acompte de 17 000 francs, mais a fourni des caleçons avec le point et la rose qui n'étaient pas conformes à la commande du PS. En effet, au lieu des 3 boutons qui étaient prévus dans le contrat, il n'y en avait que 2 et la braguette était trop petite. D'autres détails internes au parti, si j'ose dire, mais ce qui est important, c'est quand même qu'il y avait eu un référendum interne au PS qui avait voté pour 3 boutons. Puis après, il y a eu une montée du non aux 3 boutons. Résultat, le référendum est parti en couille et la Constitution est loin d'être dans la poche. Non mais, moi, depuis la scission du Parti Socialiste en 1920,
qui a donné naissance à la SFIO d'un côté et au Parti communiste de l'autre, c'est la plus grande crise qu'ait subi le Parti. C'est l'histoire que raconte lequel a renchaîné aujourd'hui, c'est plutôt rigolo. Une autre photo, celle de la lettre de menace d'AZF, publiée ce matin par le journal Le Parisien. Et regardez bien cette lettre, elle est adressée au président de la République et au ministre de l'Intérieur. Même pas au Premier ministre. C'est quand même bien la première fois que Jean-Pierre Raffarin n'est pas menacé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Au moins, quand même, ils auraient pu mettre son nom. Ou alors, puisqu'il n'est pas dans les destinataires de cette lettre, c'est peut-être lui l'auteur, Raffarin. Moi, j'ai été un peu Sherlock Holmes quand j'étais jeune. C'est peut-être lui l'auteur. AZF, c'est peut-être Association des Azous Français ou Amicale des Ozos Franchouillards. À moins que AZF, ce soit tout simplement la maison de disques de Laurie, allez savoir. AZF, ça veut dire quoi, vous savez déjà, AZF? Allons enfants, mais c'est... Une autre photo, celle du ministre de la fonction publique, M. Renaud Dutreil, qui a décidé d'appliquer unilatéralement une augmentation de 0,8% des salaires aux fonctionnaires. Pourquoi vous riez? Mais c'est à mourir de rire cette histoire, parce que pour bien... Ils sont acculés à la négociation, ils finissent par donner ce qu'on leur demande, et là les syndicats ils disent, eh ben non, nous on signera pas, eh ben on le fera quand même, on vous augmentera malgré vous. Bon, c'est normal, en même temps il s'appelle Renault, alors il a un régulateur de vitesse qui en fait n'en fait qu'à sa tête, et le Parisien titre d'ailleurs, salaire des fonctionnaires, pas d'accord entre les ministres et les syndicats. François augmente un peu le chiffre, 1,8% pour les fonctionnaires, titre François ce matin, tandis que Libé explique que le ministre a lâché 0,8% de hausse. Les autres journaux, en fait, n'avaient pas bouclé suffisamment tard dans la nuit pour pouvoir indiquer le chiffre exact, puisque les discussions ont duré 7 heures la nuit dernière. 7 heures de discussion entre le ministre et les syndicats. Précisons que le ministre, quand même, s'appelle bien Renaud Dutreil. Hein, c'est pas un duo Renaud-Yves Dutheil, hein, parce qu'on sait que Yves Dutheil chante en duo, mais c'est avec Madame Raffarin. Et c'est pas demain qu'ils vont chanter « Prendre un fonctionnaire par la main », croyez-moi. 0,8%, ça fait combien sur, par exemple, 1000 balles? 1%, si tu dis. Bah vas-y. Disons 1%, si tu gagnes. Combien? C'est quelqu'un qui gagnerait. 10 balles? Quelqu'un qui gagnerait 10 000 francs par mois, s'il a 1%, il gagne 100 francs de plus. L'émission sera livrée avec les convertisseurs d'euros après. C'est vrai ça? Vous parlez toujours en francs? Je parle en francs parce que j'ai voté non à l'euro. Qu'est-ce que tu fais avec 100 balles? Tu fais pas 100 balles maintenant. 15 euros à peu près. Tu vas au cinéma. 15 euros de plus dans ta vie. Mais c'est pas 15 euros. 1%, ça veut dire que c'est... Ça veut dire 1%. Moi, maintenant, je vais vous dire... Ça, c'est l'explication. Moi, je comprends maintenant pourquoi elles durent 7 heures, les négociations. Allez, on termine par les sorties cinéma du jour avec une influence du référendum sur certaines affiches qui ont été modifiées. Regardez, par exemple, L'Antidote avec Fabius et De Villiers. Et de l'autre côté, François Hollande qui joue dans le rôle du pigeon vaillant. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau Andy Bichelbaum. C'est l'un des principaux trublions des Yes Men. Les Yes Men, c'est un groupe d'activistes spécialisés dans l'imposture militante et adeptes du canular, mais du canular anti-multinational. Les Yes Men sont devenus mondialement célèbres après s'être fait passer pour des représentants de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, lors de différentes conférences tenues dans le monde entier. Et on n'a pas forcément vu la supercherie tout de suite. Ils n'ont eu cesse de dénoncer avec humour la mondialisation inhumaine, comme ils l'appellent. Leur canular retentissant, ben vous allez les retrouver dans un film documentaire qui sortira vendredi prochain sur les écrans en France, intitulé Yes Men. Il y a aussi un livre, d'ailleurs, qui raconte en photo leur histoire, un livre qui paraîtra le 7 avril prochain aux éditions de La Découverte. Pour parler donc de ces Robin des Bois des temps modernes, accueillons d'un des deux Robin des Bois, Andy Bichelbaum. Je crois que vous parlez français car vous vivez en France. Oui, il faut. Et pourtant, vous parcourez le monde pour vos impostures. Oui, rarement, mais oui, ça arrive. Michael Moore vous soutient, en tout cas, puisque vous êtes effectivement des trublions.
anti-mondialiste, anti-américain, ou en tout cas anti-Bush. Anti-néolibéral, ouais. Que ce soit Bush ou les multinationales ou l'OMC, c'est le même phénomène, quoi. L'OMC, rappelons que c'est l'Organisation mondiale du commerce. Regardons la bande-annonce de The Yes Men, un film documentaire. Meet the Yes Men, the next generation of activists. To fix the global economy, they will go anywhere. Well, we're arriving in Helsinki right now. We're in London. We're en route to Australia. I'm doing Hong Kong the week after. Run! To protect freedom, they will use any means necessary. This time we just have to really push it, make it totally extreme. This is the big day to close down the WTO. At this point, it's upset quite a few people. The Yes Men. Racontez, pour donner encore une idée à nos téléspectateurs, racontez l'idée terrible du canular que vous avez monté à New York avec cette histoire de recyclage des déjections humaines. Alors, c'était dans quel cadre, précisément? Alors, c'était devant des étudiants. Et là, on voulait tester quand même si on s'était pas trompé de public. On avait monté des canulars atroces et horribles devant des audiences d'experts. Et ils avaient adoré. Ils avaient applaudi. Oui, voilà. Des avocats. Et on n'a pas pu les choquer. Donc, ouais. On a essayé devant des étudiants et on a vu une très grosse réaction. Ouais. Dès que j'ai ouvert la bouche, ils ont trouvé tout ce que je disais horrible. Ils ont jeté des... Vous dire que c'était horrible. C'était horrible. Mais ils ont réagi avant... que j'arrive à la partie la plus horrible. Mais vous en cru, il a fait croire aux gens, à ses étudiants, à tout un amphithéâtre de personnes, qu'ils allaient recycler, qu'on allait pouvoir bientôt recycler les excréments humains en hamburgers qu'on enverrait en Afrique pour nourrir les personnes affamées. Ils l'ont pas cru. Je comprends qu'ils s'énervent, les étudiants, et qu'ils vous... Ah non, mais ils ont commencé à nous huer dès la première phrase. Dès que j'ai dit que le marché doit triompher sur tout, ils ont commencé à huer. Ils ont trouvé ça horrible. Avec un tel talent, comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivé, avec votre ami Moore, à faire battre Bush? Nous, on a exactement les mêmes clowns. Hein. On a eu Chevènement, on a eu ma mère, on a eu Besancenot qui ont fait perdre Jospin. Ça, et ils sont moins drôles que... C'est américain, ça. C'est moi, je dirais, à la différence de Michael Moore qui vous soutient, parce que moi, il m'énerve, Michael Moore. Pourquoi? Parce que je trouve ces documentaires trop manichéens. Franchement, c'est je sais pas, c'est trop. Je ne le crois plus, quoi. Et moi, je comprends que la campagne de Michael Moore n'ait pas atteint George Bush, parce que il ne finit que par convaincre, on est déjà convaincu. Non, ça a atteint la campagne. Quand même, ça a changé pas mal d'avis d'Américains. Il aurait gagné de plus de voix. Il a été mieux élu, mieux que la dernière fois. Oui, mais c'est pas grâce à Michael Moore, c'est grâce à l'idiotie des Américains dans ce cas-là. Jean-Bernard. Moi, je suis un immense fan. C'est du poil à gratter. Ce sont des gens qui grattent et qui énervent et qui surtout provoquent les gens. C'est une grande tradition, hein, ça a toujours existé. Les situationnistes, tout ça. Et surtout, ils ont repris très récemment, enfin assez récemment, quelque chose que John Lennon avait fait avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, John Lennon en 72 avait payé une immense campagne de publicité partout dans le monde qui s'appelait « The war is over », c'est-à-dire « La guerre est terminée », alors qu'elle n'était pas terminée du tout. Donc il a forcé les gens, la guerre du Vietnam, alors il a forcé le gouvernement américain à dire « Non, 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 c'est pas vrai, la guerre n'est pas finie ». Eux, récemment, ont fait, à propos de la catastrophe du Bhopal en Inde, exactement la même chose. Il s'est déguisé en monsieur de la compagnie qui avait assassiné, enfin pas assassiné, mais meurtri, pollué, en tout cas. Pollué 20 assassiné. 000 personnes. Il est venu, il a dit, nous reconnaissons notre erreur, excusez-nous, nous allons vous donner 15 billions de dollars et tout. Il a forcé cette compagnie à dire, non, 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 pas du tout, on ne reconnaît rien, vous pouvez continuer à crever tranquille. C'est là où ils sont formidables. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est l'utilité du poil à gratter? Ça fait éternuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux se marrent et nous nous marrons en les regardant et en voyant le bouquin. Ben, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye d'inspirer d'un côté, de montrer que le tout est flou, le tout peut s'effondre d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire en France? À qui allez-vous vous adresser en France? Ben, nous ne sommes pas français, donc c'est aux Français de faire quelque chose en France quand même. Il y a beaucoup de sujets. Chez nous, il y a l'Antarctique, qui est belge. Jean-Luc, dans cette émission, de temps en temps, sur des sujets, on s'énerve, mais on se demande pourquoi. Mais à la limite, je préfère ça à ce qu'on voit dans le film, parce que de temps en temps, ce qui est très flippant dans le film,
c'est que quand vous êtes avec des experts, il y a un encéphalogramme plat dans la salle et ils peuvent dire les pires énormités comme ils parlent de l'esclavage avec beaucoup de facilité, beaucoup de naturel, ça choque personne. Ils parlent de mettre les votes des citoyens aux enchères, ça choque personne. Je ne sais pas si on peut voir la photo où il est en costume doré avec une espèce de phallus énorme. En fait, il explique que c'est une tenue de loisir pour les dirigeants. Et là, au bout de son appendice, il peut regarder les ateliers au fin fond de l'Asie pendant que lui prend du plaisir. Et les gens, mais ça ne les choque pas du tout. Et ce qui est très effrayant, le seul moment d'espoir, c'est justement les étudiants, parce que c'est eux qui vont nous faire l'avenir. Et c'est les seuls qui se rebellent un peu. Donc il y a un petit message d'espoir. À un moment, moi, la réplique préférée du film, en ce qui me concerne, c'est justement quand il parle de recycler les excréments pour faire des hamburgers. Il y a des étudiants qui sont choqués, qui lui disent « Mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez jamais vu des gens affamés ?» Il fait « Si, en photo. » C'est terrible. Il se démonte jamais. Je ne comprends pas pourquoi Yes Man. Justement, Yes Man, c'est le contraire de ce que vous êtes. Oui. Non, c'est ce qu'on est. Yes Man, c'est celui qui fait de la lèche et qui est d'accord avec tout. Et qui Yes Man. Oui, c'est alors le que vous, vous, êtes, yes vous, vous montrez un peu de révolte contre cette société. Oui, mais on le fait en disant oui. On le fait en disant oui. Vous faites plus royaliste que le roi, voilà. Que vous détestez. Exactement. Ils en rajoutent une couche. Moi, ce que je trouve... J'ai enfin compris. J'ai bon besoin. Mais vous dites une chose qui est très intéressante. Vous dites que les sociétés actuelles sont des forteresses tellement imprenables qu'on ne peut pas s'y attaquer frontalement et que donc il faut s'engouffrer dans la seule faille. C'est la faille entre l'image qu'ils veulent se donner et la réalité de leur cupidité absolue. Mais alors, est-ce que justement la seule réponse que ces sociétés peuvent vous apporter, c'est ce qu'elles font, c'est que ne vous faisant pas de procès, elle ne vous donne aucune importance et donc vous pataugez dans l'obscurité parce que le plus grand service qu'ils pourraient vous faire, c'est un procès, évidemment. Voilà, parce voilà. Que là, ça vous permettrait... Ils nous ignorent et c'est très méchant de leur part. Voilà. On termine avec Jean-Bernard. Une seule question, qui vous finance ? On reçoit des subventions artistiques. Qu'est-ce que vous appelez des subventions artistiques ? Ben des mécènes aux États-Unis. On a reçu un Guggenheim, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et aussi la fondation Herb Alpert, musicien. J'ai jamais entendu un Américain parler aussi bien le français. Comment vous faites ? Parce qu'en fait, c'est de la supercherie, il est totalement français. Voilà. Il soutient Yann depuis tout à l'heure. Exact. Vous êtes contre la mondialisation, contre peut-être le progrès, parfois, les savoirs. Non, pas trop. Quand même. Contre la libéralisation, la néolibéralisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui représente le progrès, la mondialisation. Ici, c'est Jérôme Bonaldi. Ah, oui. Jérôme. Oui, bonjour. Je suis là en régie. Pas loin, je fais pas l'entrée habituelle. Je voulais vous présenter un type exceptionnel. On le voit jamais à la télé. Il s'appelle Jean-Louis Cap. Montrez-vous. Voilà, Jean-Louis Cap. C'est moi qui fais cadreur maintenant. Parce qu'on montre jamais l'envers du décor. Ça, c'est la régie. Voilà. Il y a tous les gens qui travaillent avec des tas de boutons. On sait pas très bien à quoi ils servent. C'est juste à côté. On rend jamais hommage à la technique, à qui fabrique les émissions. Là, on est dans le décor. Et j'arrive sur le plateau, les deux mains libres. J'ai fait de la télé. Elle est pas belle, la vie? Vous avez vu ? Ah, vous avez une caméra, là ! Attendez, je vous filme, là. Bonjour. C'est la caméra portative. C'est exactement ça. En fait, c'est très simple. C'est pas une invention. C'est un type, il a pris un casque de standardiste, avec ici un micro et là un écouteur. Là, il a pris une petite caméra vidéo. On en trouve dans tous les magasins d'électronique du coin. Il n'y a rien d'extraordinaire. Relié par un câble à ici un PDA. Personal Assistant in English, d'accord ? Un petit PDA, ça se vend aussi dans le commerce, hein, on n'a jamais fait plus basique que ça. Et avec ça, je peux, imaginer, vous appelez un réparateur de machines à laver. Vous tombez sur le pire des réparateurs de machines à laver, moi. J'arrive chez vous, oh, je ne connais pas ce modèle. Pas importe, j'appelle mon chef, tic, 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 ou que soit mon chef à Romorantin, à Dubaï, dans l'Arizona ou bien à son bureau dans la banlieue parisienne, il me dit « Ben attends, approche-toi de la machine. » Je m'approche de la machine. Il me fait « Voir, regarde un petit peu par là. » Ouais, moi j'ai les deux mains libres. Je suis ses yeux et ses oreilles et ses mains. Attendez, je peux même lui faire des gros plans. Oui, attendez chef, je vais vous montrer un petit peu le... Regardez ça. Alors ça c'est bien, c'est une deuxième caméra. Je la tire comme ceci. Je la mets en marche là. Donnez-moi votre ouvrez main. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Ah, la main, regardez. La main. Je vais faire un gros plan sur votre main. Ah, oui. Voilà, vous avez vu la netteté du truc? C'est impressionnant. Vous voulez que je vous prenne en photo? Je vais prendre en photo votre ça trouble. Peut vous servir, ça, pour vos gags ou vos canulars à l'appareil comme ben, pour surveiller les employés au tiers-monde. C'est impeccable, bien sûr. Jérôme, ça existait déjà quand on voyait l'émission avec Nicolas Hulot qui courait... C'était un matériel professionnel assez
assez compliqué et assez cher. Là, c'est vraiment une caméra de rien, un PDA de rien. Ça coûte combien, ça? On ne dit pas le prix, 8000 euros. Mais enfin bon, attendez, pour le plombier du coin, ça va être pratique. Il y a la maintenance avec. Avec une simple petite prise RCA, je branche ça, par exemple, sur un microscope ou sur un endoscope. Et vous avez vu le petit pointeur? Regardez, le petit pointeur, là, pouf. Comme ça, je sais ce que je filme également. Pas besoin d'avoir un retour, le petit pointeur laser. Là, vous êtes... attendez, là, où est-ce qu'il n'est pas filmé? Tu sais que tu nous fais peur, là. C'est le petit point rouge, ça, il est sur le front de Jean-Luc, regardez. Voilà, Jean-Luc, sinon ça va. Vous êtes filmé. Voilà, ça veut dire que Jean-Luc Lemoine est filmé par la caméra de Jérôme. Très souvent, tu dragues une fille, personne ne veut te croire. Et ben là, tu peux la montrer au poste. C'est ça qui est vachement bien. Autre chose. Autre chose. Alors, hier, vous avez fait une déplorable émission sur les allergies. Oui, déplorable. On avait une allergologue ici. Oui, même. Parce que vous n'avez pas montré les moyens de se... Bah, elle n'était pas au courant de tout, il faut dire. Bah, attendez, heureusement est arrivé ceci. Ah, alors ça, c'est génial, ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas mal de gens allergiques en ce moment qui souffrent. Apportez sur soi. Vous le mettez comme ceci, d'accord, hop, ou à la ceinture. C'est livré 125 euros. Regardez, elle a des allergies, elle se mouche. Oui. C'est livré avec ceci. Ça, vous le mettez dans les trous de nez. Comme ceci, voilà. Hop, parce que les allergies, c'est les pollens, il y a 52... Et vous le branchez là. Tu te promènes comme ça avec ça dans les trous. Ça vous fait de la lumière. Et... Voilà, c'est pas belle la vie. Et ça enlève les allergies. Ça enlève les allergies, c'est de la photothérapie. Ça se nettoie facilement. Oh, et ça peut se passer à quelqu'un d'autre. 4 minutes le matin, 4 minutes le soir, ça peut se faire en préventif. Ça se passe toute la famille, s'il y a des familles allergiques, on se le passe déjà. Des familles pauvres. Vous l'essayez, Péri? Moi, je veux un appareil par personne dans le pays. Péri, vous l'essayez? Oui, mais je suis un peu dégoûtée. Juste de le mettre dans le nez avec un nez rouge, c'est tout. Oh, écoutez, j'ai une chemise propre. T'es pas malade? Non, qu'est-ce pas que ça diffuse? Oh, c'est dégueulasse! Et voilà. Oh, ce que c'est beau. Ça fait vos mains qu'on rigole? Bougez pas. Voilà. Oh, vous avez un... Ah, magnifique! Allez, on applaudit Jérôme Bonaldi. Et on remercie Andy Bichelbaum. Okay. Son livre, Yes Man, et le film sort vendredi. Le 24 mars est sorti les FFD, la France aux mains des fils et filles d'eux. FFD, c'est ce que ça veut dire, fils et filles d'eux. C'est chez Bourin Éditeur et c'est un livre signé Frédéric Telon, un professeur d'économie, qui en fait s'inquiète de la trop forte présence et de la surmédiatisation des enfants de célébrités dans notre société. De Justine Lévy à François Baroin, en passant par Michel-Édouard Leclerc, Laura Smet, Guillaume Depardieu, le fils Hallyday, et j'en passe, Frédéric Telon lui en conclut que l'ascenseur social a été remplacé dans notre pays par l'ascenseur familial. En même temps, son père, Alain Telon, l'a peut-être aidé à écrire son livre, Allez savoir. Pour tester ensemble les FFD, la France aux mains des fils et filles d'eux, accueillons donc Frédéric Telon. Pour écrire un livre comme ça, chez Bourin Éditeur, vous avez intérêt à être blanc-blanc vous-même. Vous n'êtes pas un fils d'eux. Votre papa et votre maman faisaient quoi? J'ai un père qui est ouvrier. Bon. Donc je suis un enfant de la République et de la promotion sociale. Bon, alors en tout cas, vous, vous êtes inquiété. Vous vous êtes dit, il y a trop de fils de parents célèbres ou de filles de parents célèbres qui font le même métier que leurs parents ou un métier artistique ou un métier, en tout cas, présent dans les médias, souvent. Ce que je dénonce, c'est l'omniprésence des FFD. Ils sont partout. Et la partie la plus visible de tout cela, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bon, vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il y en a qui ont beaucoup de talent. Mathieu Chédid, par exemple. Bien sûr, je suis le premier. D'ailleurs, elle signalait dans... Charlotte Gainsbourg. Aussi. D'accord. David Hallyday. Je vois que... non, c'est pas exactement le constat que je laisse à d'autres le soin de porter ce jugement. J'essaie de montrer que la société française est bloquée, est en train de se verrouiller actuellement. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été... C'est un phénomène de société. Alors, au nom de la liberté, vous voudriez... puisque vous dites qu'elle bloque et que c'est contre la liberté, ce genre de choses. Donc vous voudriez, au nom de la liberté, qu'on stérilise tous les gens un peu célèbres. Premier truc. Deuxième truc, qu'on interdise par décret de faire la même profession que le père. Votre père était chanteur, vous serez chaudronnier.
Non, mais je veux dire, c'est quand même difficile. Si vous voulez, il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer la transmission d'un savoir-faire, il faut distinguer la transmission d'un métier, il faut distinguer la transmission des privilèges. La transmission des privilèges, elle se situe au niveau de la classe dirigeante. Elle se situe pas au niveau de la... Quand on est boucher, un privilège, c'est de recevoir peut-être la boutique de ses parents. Non, 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 je ne peux pas être d'accord. Un patron fleuriste ou un patron boucher, justement, ou quel que soit le métier, je ne vois pas où est le problème. Dans une entreprise, vous avez cité par exemple De Sange, je ne vois pas où est le problème que son fils reprenne son activité. Oui, tout à fait. Dans le cas des affaires, les affaires, oui, mais... les affaires sont encore particuliers. C'est plus rare de... que les... Il y a moins d'enfants. En l'occurrence là... Ce monsieur a été marié et il a des enfants. Oui, mais je vais revenir quand même sur ce qui a été dit. Dans le domaine des affaires, la transmission du capital a une certaine légitimité. Dans les 10 ans qui viennent, il y a 500 000 entreprises qui vont changer de main en France. Qu'est-ce qui va récupérer ces entreprises? C'est les enfants d'eux, et ça paraît normal. Là où c'est pas normal, c'est que lorsqu'il y a une transmission des postes de PDG de la part de familles qui ne détiennent plus le capital. Là, c'est en fait un sort d'hold-up qui est pratiqué aux yeux et aux yeux de millions d'actionnaires. Mais c'est donc faux, c'est Franck Riboud, c'est Lagardère, etc. Mais c'est faux, il y a un conseil d'administration qui décide. On ne transmet pas un poste. Oui, mais ce conseil d'administration, il a été coopté en fait par les parents. Il est en place. Arrêtez. C'est exactement ce qui se passe. S'ils sont incompétents, ils vont dégager l'année d'après. Je trouve que c'est un débat qui est un peu faussé. Et en plus, vous êtes limite de mauvaise foi, je vais vous dire, parce que vous citez par exemple notre amie Charlotte de Turckheim, en disant qu'elle a bénéficié, on se demande de quoi, tout simplement parce que son père avait une société et sa mère était journaliste. Ça fait pas d'elle une fille d'eux. Ah, écoutez, c'est honteux. Et ce que vous dites sur Serge Dassault aussi, et vous dites c'est grâce à son père qu'il est là où il est, alors que son père... Attendez, avant de donner la parole par ici, chacun son tour, juste une chose, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Oui, alors ce que je montre dans l'ouvrage est... c'est qu'en fait, le népotisme est un phénomène qui a toujours existé. Et c'est en fait, on ne peut pas l'empêcher et on ne peut pas demander aux parents d'être de mauvais parents. Donc ça, c'est un point. Ce qui a changé, c'est le fait que le phénomène a pris de l'ampleur, et ça, je le montre dans le livre, et d'autre part que aujourd'hui, il y a des personnes qui reçoivent des privilèges et qui considèrent qu'il n'y a aucun service dû par rapport à ces privilèges. C'est-à-dire que la transmission du nom n'est plus associée à des valeurs. C'est ce qu'on appelait, sous l'Ancien Régime, noblesse oblige. Voilà la grande différence. Jean-Bernard. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur est très très loin d'être un con. Moi, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Attendez. Moi, je suis bien, j'ai connu son père. Il en a la... Dans la collection Que sais-je, c'est pas rien, il a écrit La politique agricole commune. Il a écrit L'introduction à l'économie dans Que sais-je. Alors, vous lui faites un faux procès. Que on refile à son fils sa boutique de fleuriste, sa boucherie, on s'en fout, ça n'a pas une très très grande importance, il y a l'héritage, c'est taxé, c'est pas très important. Ce qu'il dit très bien, c'est que nous nous trouvons dans une société qui est gérée par des gens qui vont dans des écoles, dans des grandes écoles, les énarques, c'est en partie à eux que vous faites. Et ces gens-là, ils vont décider de la vie du fleuriste, du boucher et tout. Et ça, c'est une chose qui fait que la France est un pays qui s'est sclérosé à cause de ça. La France est le seul pays communiste qui ait réussi avec... un roi qui est démocratiquement élu et qui a une cour, et cette cour fait des enfants. Et donc ça se passe très très bien. Alors, c'est mon pote, j'étais à l'école avec lui, donc on lui donne des meilleures notes. Vous l'avez écrit avec lui, le bouquin, c'est pas possible. Il a entièrement raison. Jean-Bernard, il a raison. C'est comme ça que ça se passe. C'est toute la différence qui existe entre la classe dirigeante et le reste de la population. Pour un homme de gauche comme vous, d'être soutenu par un mec comme lui, croyez-moi, c'est grave. Christine. Moi, franchement, j'ai vraiment, vraiment lu ce bouquin. Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire merci, parce que grâce à vous, je me dis que j'ai vraiment du bol d'être une fille de personne. De maçon. Je suis, moi, plutôt du genre à dire que les FDD, ça me débecte. Je supporte pas l'idée... C'est FFD. Oui, FFD. Bon. C'est fille de... Ça me débecte. Mais, au fond, qu'est-ce que ça peut foutre? En quoi il nous dérange? Attends, franchement, en quoi il nous gêne? Dassault, Lagardère, Pinault... Non. Oui, oui. Pour 4 ou 5 dont on pourrait discuter, la plupart, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils s'agglutinent dans les magazines People, et je trouve que ce livre, d'une certaine façon, est totalement ridicule, excusez-moi, parce que quand vous dites « La France aux mains des fils et des filles de... » Je suis obligé de réagir. Alors, les conséquences, en fait, contrairement à ce que vous dites, sont redoutables. La première conséquence, c'est le risque de dégénérescence de la classe dirigeante. Une classe dirigeante qui ne se renouvelle pas et qui ne défend pas le bien public, c'est une classe dirigeante qui est fichue.
Alors ça, vous pouvez vous en moquer, madame. Mais les conséquences pour la France seraient dramatiques. La deuxième chose, c'est que le mécontentement gronde. Alors peut-être pas sur les plateaux télévisés. Qui mais gronde. De la population. En 1789, il a fallu convoquer des tribunaux et dresser des échafauds pour faire plier les puissants. Si vous voulez qu'on aille jusqu'à là, on ira jusqu'à là. Et le problème, c'est que la classe dirigeante actuelle n'entend que ce langage. Ce langage, c'est le langage de la violence. Donc les gens finiront par descendre dans la rue. Ça veut dire quoi? Voilà. Chauffe, Frédéric. Oui, mais alors, vas-y. Ce qui est vrai pour les... Oui, le public est avec moi. Attendez. Le public est avec moi. Ce qui est vrai pour les conseils d'administration, là je vais défendre les artistes, on voit très bien qu'il y a certains qui ont du talent qui réussissent, c'est le cas du fils Chédid. Il y a d'autres enfants de chanteurs qui ont essayé, je pense à Laurent Rossi par exemple, le fils de Tino Rossi. Il était bon lui. Ça n'a pas marché. Franck Fernandel, le fils de Fernandel, bon, ça n'a pas marché. On a du talent, on n'en a pas, ça ne suffit pas d'être fils de... Moi je ferai un livre pour dire que c'est honteux. Tout le monde est à égalité là-dessus, fils de ou pas, il a raison. Donnons deux exemples. Dans le showbiz, tout le monde sait, dans les médias, que ce qui compte, que l'on soit dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans la télévision, ce qui compte, il y a 50% du boulot, c'est que quelqu'un vous reçoive et vous écoute. Or, quand on est le fils de quelqu'un, on t'écoute et on te reçoit. Après, ce que l'on ne peut pas acheter, c'est que le public adhère. Voilà. Ça ne peut pas s'acheter. Deuxièmement, ce que monsieur veut dire, si on veut essayer d'aller un petit peu plus loin et si je veux continuer à essayer de l'aider, c'est que quand une société se sclérose et se sèche sur elle-même, on finit par arriver à la Starac, c'est-à-dire d'avoir des mômes qui ont 15 ans, qui chantent des chansons de chanteurs morts ou qui ne le savent pas encore, genre Michel Sardou. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne se renouvelle pas. Et ce qu'il dit, c'est que le spermatozoïde d'un grand homme d'affaires ne fait pas obligatoirement un grand homme d'affaires. Le spermatozoïde d'un grand patron ne fait pas un grand patron. Un contre-exemple. Une société comme le Club Med, que tout le monde connaît, a appartenu à un monsieur qui l'a transmise à son fils à un moment, et ça n'a plus fonctionné, et elle ne leur appartient plus. Oui, parce donc quand ça ne fonctionne pas, les mecs dégagent. Oui. Arrêtez de faire croire que les mecs, ils sont assis sur un fauteuil, accrochés à vie sur leur fauteuil. Attends, le petit Trigano, il a été remplacé par le fils de Giscard d'Estaing, donc... Oui, c'est vrai que c'est le fils de Giscard. C'est pas un bon exemple que vous avez pris là. Et c'est pas de père en fils. Jean-Luc Lemoine. J'ai lu avec beaucoup d'attention ce livre édité chez Bourin Éditeur. j'aime beaucoup le nom de l'éditeur. Un livre sur la reproduction édité chez Bourin. C'est le fils de Jeanne Bourin. Il y a quelques bonnes saillies dans ce livre. Exactement. Et je trouve ça super démago. Et de toute façon, tout à l'heure, quand vous appelez le public, ça prouve bien que c'est complètement démago. Vous allez dans le sens des conversions qui a fait du commerce. En plus, je pense très sincèrement qu'il y a un écrémage qui se fait naturellement et que les fils et les filles d'eux qui sont mauvais finissent dans la ferme, de toute façon, ou dans une première compagnie. Donc au bout d'un moment, ils vont le payer. Et si les parents ne les aident pas, de toute façon, ils vont nous sortir un bouquin pour nous dire que les parents ne les ont pas aidés. et ça, c'est terrible. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas, en fait, un ouvrage qui s'efforce d'asséner des vérités. Je pose surtout des questions et ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde en débatte. Bah, vous souhaite bon courage alors dans les médias avec ce bouquin, c'est pas gagné. Les FFD, la France aux mains des fils et filles d'eux, c'est chez Bourin Éditeur. Merci Frédéric Tonon. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir les Hanson, accompagnés par Emma Domas. Les Hanson, vous en souvenez peut-être, ce sont ces trois jeunes frères qui avaient cartonné en 1997 avec un tube international, bop. Quant à Emma Domas, elle, on ne la présente pas chez nous en France puisque c'est elle qui a foutu la carrière de Nolwenn Leroy en l'air. Les frères Hanson et Emma Domas chantent ensemble un nouveau titre, Some One. On va donc les accueillir tous les quatre, les trois frères Hanson ainsi que Emma Domas. Bienvenue. Mais alors dites donc, vous deviez être gamin, les frères Hanson. Quel âge ils avaient quand ils ont sorti leur tube? Parce que là, ils ont l'air tout jeunes, les frères. Moi, j'imaginais voir arriver des vieillards. Moi, j'avais 11 ans. Lui, il avait 16 ans. Il avait 14 ans. Et à l'époque, vous chantiez ça. Et vous, Emma
Emma Domas, vous chantiez, vous écoutiez ça à la radio? Pas qu'à la radio, moi j'avais leur album, évidemment. Vous aviez leur album. Grande fan. Et vous êtes allé les voir en concert à Londres, il n'y a pas longtemps. Donc. J'ai entendu dire qu'ils cherchaient une interprète française pour un duo. Et moi, j'avais prévu d'aller les voir en concert à Londres. J'ai rencontré leur attaché de presse juste avant qui m'a dit, écoute, on va te les présenter et puis peut-être que ça peut le faire. Et puis effectivement, ça l'a fait. Et pourquoi vous l'avez choisi, elle? Alors je vais demander à Zach qui est à côté de Emma. Mm-hmm. The reason we chose Emma was just, écoutez, si on l'a choisi, c'est tout simplement parce qu'on a eu des bonnes sensations, on a eu un bon feeling au départ, il y avait une connexion naturelle qui s'est créée, et on s'est dit que pour faire entrer quelqu'un sur ce projet, il fallait que ça marche bien, il fallait qu'il y ait un bon feeling au départ, et bon, je dois dire que les choses passaient bien, il y avait une vraie passion, on l'a adoré tout de suite. Est-ce que vous êtes des vrais frères, d'abord? Yes. Oui, à 100%. Et on se calme là-bas, hein. Bah non, mais c'est que moi, ça m'inquiète parce qu'on a vu les frères Jackson, ce que ça donne. Hein, lequel des trois... Faire un bouquin, frère 2. Lequel des trois va mal tourner? We've been watching the show. We've seen. Bon, nous, en regardant cette émission, on a vu vous foutiez des trucs dans le nez, alors je sais pas trop, quoi. Alors justement, lequel des trois vous trouvez plus mignon, Emma? Oh, ça c'est vraiment des questions à la con. Ah ouais, mais moi j'aime bien les questions à la con. Eh ben, j'y répondrai pas. Parce que parfois on pose pas des questions à la con et on a quand même des réponses à la con, donc on va y aller directement. Poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a un des trois qui est amoureux d'Emma plus que les autres? Ils sont tous les trois amoureux, attends, mais pas de moi. On a un gros problème là-bas. On a un gros problème parce qu'à n'importe quelle question, ici, ça réagit très très fort. C'est un club de fans, vous avez autant un club de fans. Sur l'altermondialisme et s'en foutez complètement. Les Hanson, vous les trouvez beaux, les Hanson? Oui, ça va. Les a timides. Ouais, et vous pensez quoi d'Emma Domas qui est en train de se les taper? Non, elle dit n'importe quoi quand même. En tout cas, on retrouve Emma sur une des chansons de ce nouvel album. Et en plus, vous chanterez avec eux en concert au Grand Rex le 30 mars. C'est ce soir? C'est ce soir. Et on n'est pas invité. Vous pouvez pas me faire ça le soir d'Israël-France. On a un match de foot ce soir. Désolé. Et les filles, vous n'avez pas regardé le foot ce soir? C'est terrible, on croirait les choristes. Non! Elles sont particulièrement jeunes, vos fans, quand même. Non. Wow. Non. Moi, je trouve. Elles viennent de dire, non, on est majeurs, on peut encore se marier. Elles ont 20 ans. Elles ont 20 ans? Mais oui. Ah oui, elles sont plus vieilles qu'eux, alors. Bah oui. Non. Jean-Bernard. You know, it's interesting when someone that's your age. Ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un a votre âge et à l'heure aussi jeune, ça, c'est vraiment intéressant, c'est incroyable. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Jean-Bernard, un mot sur les Hanson. Vous les connaissiez, les Hanson? Bien sûr, puisqu'ils avaient eu ce succès énorme, ils avaient fait des vidéos qui étaient formidables, et on s'attendait à ce que, comme d'habitude, ce soit trois petits cons américains qui nous ennuient parce qu'ils étaient des petits cons mignons, et en fait, ils faisaient vraiment de la bonne musique. C'est donc vrai? C'était... Ah oui, ouais, vraiment. Alors... Isabelle Allonge, vous avez écouté tout ça? Moi, la question que je me suis posée, c'est quel est l'intérêt pour vous, Emma, de faire un duo avec eux? On a toujours l'impression dans les duos qu'il y en a un qui sert de locomotive à l'autre, et là, on a mais l'impression que c'est vous. Pourquoi vous allez chercher aussi loin? L'intérêt, c'est de faire de la musique, tout simplement, et en plus avec des gens qui étaient mes idoles. Putain, ça fait 10 ans que je suis complètement modérez votre langage, vous n'avez aucune preuve. Non, mais c'est vrai, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses dans la musique, ben oui, on tout le monde se dit, alors, il est où l'intérêt marketing, là? Il est où? Et ok, peut-être qu'il y en a un, mais moi, je vois pas ça. Moi, à première vue, je vois l'occasion de faire de la musique. On a fait ce single, d'accord, mais on a aussi écrit des chansons et on a en projet d'en écrire d'autres par la suite. C'est une vraie rencontre musicale et artistique. Pierre. Moi, je voudrais être à la mode et dire que je suis amoureux des quatre, mais je préfère celui qui a les cheveux longs. Perry Cochard. Alors, justement, moi, quand j'ai appris que vous veniez tous les quatre, je me suis dit... C'est Emma Domas qui est très très connue et les autres, et je me suis rendu compte que pas du tout, ils sont beaucoup plus connus que vous. Bien sûr, ils sont venus. Oui, mais je ne le savais pas, désolée, donc je suis très contente de vous rencontrer. Et le single sur lequel vous êtes est absolument magique. Il est d'une sensualité... Samoane. Ah ouais, d'une sensualité, et il a quelque chose qui vibre formidable. Donc bravo pour ce disque. Christine. J'ai envie de vous demander, parce que Emma, je vous jure, je ne vous connais pas,
je vous ai un peu suivi sur la Starac, mais j'ai lu le dossier de presse. Vous dites un paquet de conneries. Genre, je vous cite. Allez-y. Être mignonne, c'est pas génial. Parce que être moche, c'est mieux. Non mais, vous avez dit ça. Oui, 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 j'ai dit ça, oui. Ce genre parce que quand conneries... on te prend pour une pute à la télé parce que tu mets des mini-jupes et puis parce que t'es un peu mignonne, oh c'est clair que c'est pas agréable. Je suis tombée sur un papier daté du 15 septembre 2004, vous voyez. Mm-hmm. Titré « Emma Domas a eu envie de mourir ». C'est violent. Ah oui, non, mais alors ça, c'est la alors, presse attends, en même temps. Hein. C'est violent quand même. Et je lis que c'est parce que c'est trop dur, la célébrité, le succès, les fans, d'accord, tout ça. Alors, non, le problème est que moi, quand je suis sortie de cette émission, je me suis rendu compte que j'avais été complètement manipulée, que j'étais quelqu'un qui, dans les yeux des gens, qui n'était pas du tout ce que j'étais à l'intérieur de moi, ce que je voulais faire, qu'on m'avait collé des étiquettes. J'ai commencé à me faire jeter de toutes les émissions télé, les médias, les radios, parce que je venais de cette émission-là. J'avais envie de faire de la musique, j'avais mes titres, j'avais mes chansons, j'avais ma motivation, j'avais mes rêves en tête. Et je me suis rendu compte qu'on nous prenait pour des merdes. Je suis tombée en dépression complètement. Ouais, j'ai alors... plus voulu voir les gens parce que les gens autour de moi me regardaient avec ces okay. yeux d'espèce de star stéréotypée qu'ils voyaient en moi. Et moi, ça m'a fait du mal, tout mais simplement. Et après ça, d'avoir été complètement... Là, mais après, j'ai été complètement rejetée par cette émission. D'accord, sans ça, je ne serais pas là. On est d'accord. Mais alors, écoutez-moi, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous intéresser. Quand j'ai sorti mon single « Tu seras », certaines radios ont commencé à le jouer. On a demandé au plateau de la Star Academy de venir faire ma promotion. On a dit, Emma Domas a son nouveau single, vous l'avez lancé, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, qu'elle vienne chanter ce single avec un des élèves de la Star Academy? On m'a dit non. On m'a dit non parce que ça marche pas. Et à partir du moment où j'en avais vendu 200 000, j'y suis allée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais pourquoi vous y êtes allée? Vous aviez qu'à leur dire à ce moment-là, non, j'y vais pas. Pour rendre un peu plus quand faire même. La promotion. Voilà. Non, ils ont quand même du bol, les frères Hanson, parce que vous avez quand même une fille qui s'est sortie de la Starac et qui s'en est bien sortie en vendant des albums. Vu vous arrivez vous en Europe, vous savez pas qui est qui, on aurait pu vous refiler Jean-Pierre Castaldi qui sort de la première compagnie. C'est vrai. Jean-Luc. Ben moi, je le dirais sans hésiter. Pour moi, Hanson, c'est le plus grand groupe du monde. Jean-Luc Lemoine. Je les manipule. Jean-Luc Lemoine sera au Grand Rex ce soir à la sortie. Comment je les manipule, c'est terrible. Puisque vous aimez la musique tous les quatre, on va vous proposer des CD que Jean-Bernard va commenter pour nous. C'est l'actualité musicale. Jean-Bernard, on commence par un CD qui est, on va le dire, le CD de la comédie musicale Le Roi Soleil, de quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Kamel Wally. Jean-Bernard. Alors, j'ai écouté ça ce matin avec mes filles qui ont eu exactement le même réflexe que moi. C'est-à-dire que, ah, ils chantent super bien, c'est super bien orchestré, c'est super bien fait, et c'est super ennuyeux. voilà, alors c'est formidable, c'est nul, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Un extrait du Roi Soleil, la première chanson s'appelle « Je fais de toi mon essentiel ». Écouté 8 fois huit ce matin. Fois. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée très tôt et donc au fur et à mesure que les uns et les autres arrivaient en loge, ils réécoutaient le disque. À la première écoute, j'ai pas aimé. À la 8e, je commençais à trouver ça formidable. Pierre. Et moi, à la 8e écoute, je me disais, ils vont enfin me libérer. J'étais content. Jean-Luc. Parce qu'on a le valide, Moi, je trouve ça très efficace. On revient à la chanson française, la nouvelle chanson française, comme on l'appelle. Benjamin Biolay, c'est ça. Oui. Son troisième, je crois, album, nouvel album. Et oui. L'histoire d'un garçon, c'est la chanson extraite de cet album qui s'intitule « À l'origine ». Vous savez, la chanson, c'est une histoire d'heure. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des arrangeurs et des chanteurs. Benjamin Biolay, il en a 3 sur les 4, mais il n'a pas la case chanteur. Alors, les chansons sont bien. Malheureusement, avant lui, il y a eu Bachung et Gainsbourg. Pas de peau. Il a tout écrit, il a tout fait avec ses petits doigts. C'est formidable, c'est très, très bien fait. Faut qu'il trouve une interprète. D'ailleurs, à un moment, il chante en duo avec Françoise Hardy. Et c'est absolument formidable, mais là on voit la différence entre un timbre et quelqu'un qui n'est pas timbré. L'album de Benjamin Biolay s'appelle À l'origine, la chanson extraite, l'histoire d'un garçon. Non, et le premier mot que j'ai su, quand j'ai vu que j'étais un garçon.
garçon, et que ma mère était déçue, et que mes cheveux n'étaient pas blonds, et quand je me suis aperçu que ce n'était pas ma vraie maison, j'y suis passé inaperçu. Perry, il est tout super, ah ouais, formidable. Sûr, ouais. Beau garçon. Il est venu dîner chez vous? Pas du tout, je le connais pas, donc c'est absolument pas de parti pris. Je le trouve charmant, intelligent et j'aime ce qu'il fait. Kamel Wally vous regarde, vous avez le choix entre le Roi Soleil et Benjamin Biolay. Bah, je suis désolée, Kamel. Oh là, quelle ingratitude! C'est dur, ça, ce que vous venez de faire, vous savez. Oui, je suis une personne antipathique. Tout ce qu'il a fait pour vous. Pas du tout. Moi, je vous trouve très sympathique. Mais quand est-ce que vous allez chez le coiffeur qu'on voit votre tête? Les frères Hanson et Emma Demas, c'est un duo sur cet album. Le duo, c'est Some One. C'est pas bien? Oui, c'est en un seul mot, oui, d'accord. J'ai pas dit qu'il y en avait deux non plus. Je vais pas me faire emmerder par le club des fans de trois gamins frangins qui viennent comme ça au Grand Rex, qui imposent à une vedette française de venir chanter avec eux et qui veulent même pas aller le 29 avril à Saint-Lenoble pour chanter avec elle. Enfin. C'est l'heure du tout qu'à déconner. Ah. Emma, vous allez prendre les choses en main. Les garçons, vous pouvez écouter quand même, l'aider, peut-être la conseiller dans ses choix, dans ses votes. Je propose ce soir, dans le kick à déconner, quelqu'un qui a déjà 420 points. C'est vous dire que son sort est entre vos mains, puisqu'il est quatrième dans le kick à déconner, pas très loin du premier, qu'il peut passer en tête ce soir grâce à vous. Qui ça? Giscard. Valérie Giscard d'Estaing, pour cette phrase, qui lui vaut d'ailleurs d'être sélectionnée par le prix Presse Club Humour et Politique. Vous savez, c'est un jury qui décide des phrases des plus drôles ou des plus connes qui ont été prononcées par les hommes politiques. Et là, c'est Giscard qui, à propos de son texte sur la Constitution, déclaré, c'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit. Je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai rédigé. Je suis très modeste. Combien de points pour Giscard? 30, parce qu'on a surtout appris que c'était pas lui qui l'avait rédigé. 30 points, Pierre. Moi, je veux 0 points parce qu'il est bien évident que c'est de l'humour. Enfin, pour qui connaît Giscard, moi je l'ai eu comme président de la République. Hein. Je sais que c'est un mec vachement marrant. Isabelle. Non mais il voulait absolument rentrer dans le kick et déconner, donc je lui octroie 10 points, même si en fait je trouve ça très drôle ce qu'il dit, et si c'est pas lui qui le dit, personne ne va le dire non plus. Jean-Bernard. Il était ennuyeux comme président de la République, et il est rigolo comme chef de l'opposition. Christine. Je vous jure, ça fait 2 mois que j'arrive pas à passer la page 1. C'est illisible. Illisible. Jean-Luc. Ben non, parce que je suis content. Au moins, il y a une personne qui est contente à 100% du texte. C'est Giscard. Voilà. Combien de points vous lui mettez, Emma? 0, parce que moi, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, alors, ça fait un total pour Giscard. Ouais. 130 points. J'ai l'honneur de vous annoncer ce soir, Giscard est en tête de notre kick à déconner. Je vous propose maintenant Jean-Pierre Chevènement. Pourquoi Chevènement? Parce qu'au vu des sondages qui se succèdent en faveur du non à la Constitution, eh bien, il se prend à rêver, nous dit Libération ce matin. Et là, il se dit, si le non gagne, je récupère le PS. Laurent Fabius le laissera-t-il faire? Suite du feuilleton dans quelques semaines. En attendant, combien de points pour ce rêve de Chevènement? 30 points. Il a déjà foutu la merde aux dernières élections. Il continue. Pierre. Moi, 0 point, parce que je trouve que c'est formidable. J'avais peur, pour les... moi qui suis un partisan du oui, j'avais peur que le non gagne. S'il commence à faire campagne, c'est sûr qu'on va... que le oui va gagner. Isabelle. Alors, on a parlé des yes men tout à l'heure. Lui, c'est le no man. Et on lui voit trop les calculs politiques, là. C'est grotesque. Jean-Bernard. Il était assez rigolo comme ministre, mais alors il est très ennuyeux dans l'opposition. Christine. Pareil, j'allais dire ça, tu me l'as piqué. À toi. 30 points. Oui. Exactement pour les mêmes raisons que Christine. Attends, merde. Combien, Emma? Moi, je lui mets 30 points aussi parce que j'ai vu que c'était sa première entrée. Oui. Et que donc, du coup, il lui faut beaucoup de points. Parce voilà, qu'il faut qu'il soit dans le kick à déconner. Elle a raison, c'est bien, Emma, elle a tout compris. À total pour cet événement de 180 points. Fabien Barthez. Barthez, voilà, on en a parlé en début d'émission. Bref, il déconne un peu. On espère qu'il va bien jouer ce soir quand même. 0, on attend les résultats de ce soir. Pierre. Moi, 30 points. Parce qu'un mec qui dit tellement qu'il en a entre les jambes
et qui a peur d'aller faire un match en Israël, qui est quand même un pays civilisé, ça me semble incroyable. Isabelle. J'espère que ce soir, il va être à la hauteur, pauvre garçon. 30 points, 30 Jean-Bernard. 30 points, mauvais timing. Comme goal, c'est un rigolo. Et comme philosophe, il est ennuyeux. Christine. Et pourquoi il n'aurait pas peur? Moi, je serais à sa place, j'aurais peur. Mais moi, je suis à ta place et j'ai peur. Jean-Luc. Non, je pense très sincèrement que les interviews, c'est comme les ballons, il ferait bien d'arrêter. Emma. Bah, moi, justement, je mets zéro parce qu'il dit qu'il a peur d'aller en Israël, mais c'est parce qu'il a peur de se prendre la branlée de sa vie ce soir, c'est tout. Ah, très bien, Emma, total. 110 points. Il en avait déjà 110, ça lui en fait 220. On va remercier Emma Domas. On rappelle qu'elle a beaucoup de succès. Son premier album a été un carton. Elle chante en tournée à travers la France en ce moment. Et elle chantera ce soir en guest star avec les Hanson's Brothers. Someone, en un seul mot. À demain, bye bye.